Eh bien, salut les amis, c'est Manel Barbier, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Strand Deep. Et honnêtement, c'est chaud là, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Je suis arrivé de très très loin là-bas, 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 là-bas. J'ai traversé monts et mers, enfin bref, je sais pas. Je suis arrivé de hyper loin. Alors là, on le voit pas de jour. Mais en vrai, quand j'étais de jour, je suis tombé sur un... Alors, c'est pas cette île-là. Ça doit être une île qui doit être plutôt par là. Mais en vrai, là, c'est roulant, on la voit pas. Et en fait, j'avais un espèce de truc bleu au milieu. Où il y avait écrit Luska ou un truc comme ça, je crois. Je crois que c'est un géant des mers. C'est un des boss à tuer dans le jeu pour récupérer, du coup, des petites choses pour pouvoir après eh bien, décoller. Et là, donc, j'ai décidé de me rapprocher du bateau qu'on voit là-bas. Voilà, il y a un gros, gros, gros bateau. Et c'est là-bas que. Tout va se passer ensuite, que tout se fasse se dérouler. Donc là, pour l'instant, moi, j'en suis encore très très loin dans le jeu, bien évidemment. Mais voilà, je me suis rapproché. Putain, j'aimerais bien trouver de l'argile. J'ai jamais vu encore à quoi ressemblait l'argile. Et là, je n'en vois pas. Et donc, du coup, là, je pense être sur l'île la plus proche de ce ouais, du navire où il va y avoir après les missions pour réparer l'engin et ensuite se barrer de là. Et il y a de fortes chances que je décide de créer mon campement ici, voilà, face à ça. Enfin, peut-être pas face à lui, mais ouais, si, face à lui quand même, histoire d'être bien orienté. Je prendrai le temps également d'aller le voir et de le visiter, voir un petit peu ce qui se trame sur place. Là, je vois qu'il y a des belles étendues, il y a des endroits, là, il y a du bois, il y a pas mal de petites choses. Oh là, il y a une très belle partie avec de l'ombre. Donc ça peut être plutôt cool pour pouvoir se reposer et... Là, je vous dis que mon perso, il est un peu fatigué et il commence à avoir soif, il commence à avoir faim. Donc, comme dans chaque endroit que je découvre, ah oui, c'est vrai, j'étais parti. En fait, là, je, eh ben, on va refaire vite fait les petits outils, très important. Bon, maintenant, je commence un petit peu à être pas chaud du truc, mais voilà, je commence un petit peu à capter le petit business, voilà, réussir à faire les petites choses assez un peu plus rapidement. Là, j'ai fait ça. Il faut que je fasse la corde. Quoi, la corde est full? Mais non, je me suis. Ah bah non, la corde elle est pas full. Là, j'ai fait ça. Ensuite, je vais avoir besoin, bien évidemment, d'un bout de bois. Un bout de bois. Là, c'est du petit sapin. Voilà, c'est du sapin. Putain, mais je les connais par cœur maintenant les trucs. Je suis trop chaud. Voilà, comme ça, on va commencer à faire le matos. Bah pour après explorer, faire du bois, faire. Enfin, vous savez quoi, faire le récupérateur d'eau, la tente. Alors, c'est pas grave, puisque du coup, je suis à côté et. Ah, mais attendez, je l'avais pas mis. Non? Ah non, je les avais retirés, mais non! Mes trucs rapides. Bon, c'est pas grave. Du coup, j'ai pas trop le choix. On va faire la. On va faire ça. Ok. Voilà, si tu veux. Eh bien, voilà! J'ai ça en main là, je suis bien avec ça en main. Donc là maintenant, objectif, je vais commencer à construire du petit bois. Et dès que je suis un petit peu organisé, ouais, je vais commencer à faire mon petit emplacement là, je pense. Alors après ici, c'est pas trop plat aussi, ça me saoule un peu. Mais j'avoue d'être face au truc, ça donne un peu comme un objectif de se dire, allez, il faut y aller, c'est là-bas l'objectif. À atteindre et du coup ça peut être sympa de se faire le petit emplacement ici. Là maintenant je vais lâcher toutes les petites choses que j'avais récupérées sur les je vais peut-être pas ouais si les pagaies c'est pas on va les laisser là pour l'instant. Les jumelles je vais les laisser là aussi. La pagaie par contre ouais je vais la laisser là aussi pour l'instant, je vais pas trop me prendre la tête. Il va falloir comme d'hab cut un peu de bois. Voilà la chose importante. J'ai vu qu'il y avait un cochon sauvage, donc là il va falloir que je me méfie. C'est pour ça que je suis directement parti. J'ai essayé de le contourner parce que je voulais pas me taper. Pour l'instant, je suis un peu trop faible. J'ai besoin de me reposer. La traversée, ça m'a fatigué de ouf. J'ai pas dormi depuis.
dans le jeu où qui dit si on ne dort pas pendant 4-5 jours, enfin non, il faut dormir, ne pas dormir pendant 10 jours au moins. Donc bah du coup, je ne dors pas, mais c'est vrai que mon perso, il est crevé. Mon perso, il est crevé. Ok, donc ça c'est bon. On va pouvoir commencer. Alors, mon emplacement de feu. Je vais le mettre là. Ouais, je vais le mettre là au bord de la flotte. C'est cool. Comme ça, en même temps, on verra les petites choses. Enfin, Ok, ça m'a pris tout le. Ça m'a pris tout le. Là-bas, il y a du bois également que je peux récupérer. Mais quitte à en profiter, je vais taper les. Je vais taper les palmiers qui sont autour. Comme ça, je vais récupérer notre coco. Ça va me permettre de manger également et de boire un coup. La base de toute survie, gentil, j'ai envie de vous dire. La base de toute survie. Allez. Alors par contre, ouais, c'est l'argile là qu'il faudrait que je fais, parce que je trouve, parce qu'en fait j'ai un problème, je manque souvent de pierres. Les pierres, c'est vraiment le pire truc dans le jeu, parce que du coup on peut pas les produire, on peut pas les fabriquer. Il n'y a pas le choix que de les, ouais, que de les trouver. Ou alors de cacher des gros blocs, mais pour l'instant des gros blocs j'en ai pas encore trouvé, et je vous avoue ça me saoule un peu ça. Enfin, tu sais, j'en ai trouvé un, mais j'ai pas le matos. Pour le, je crois qu'il faut une masse, ou, ah non, c'est une pioche qu'il faut. Il faut une pioche. Voilà. Ici, par contre, j'ai pas vu s'il y avait du tissu. Parce que le tissu, c'est pareil. Je vais en avoir besoin aussi pour ma petite fabrique là. Voilà. Ici, c'est bono. Oh putain, faut faire attention à ça. Sinon, c'est un coup à être empoisonné. Et j'ai pas encore. J'ai jamais fabriqué encore l'antidote. Et j'ai pas spécialement envie de le faire tout de suite maintenant. C'est ce que je veux dire. Déjà, j'ai bien un truc envie de faire. C'est de faire le sac du couchage aussi pour être tranquille et pour pouvoir me poser après. Parce que là, sinon, je risque d'être embêté. Dans! Le bâton. Voilà! Jeune palmier. Viens par ici. Jeune palmier, jeune padawan. Je suis le roi de cette île. En même temps, je suis un peu tout seul. C'est facile d'être le roi. Dans l'endroit où t'es seul. Dibadibadoum. Là, c'est ce que je dis. C'est galère. Y a pas de. Didididididi. Oh, il me casse les yeux. Tant pis, je vais mettre là. J'ai que deux pierres. Bon, je vais poser tout mon petit matos ici que j'ai trouvé. Par contre, il n'y avait pas l'ombre tout à l'heure. Ah ouais, c'est qu'il est au plus haut en fait, le soleil là. Ce que j'étais en train de me dire, ouais, c'est stylé. Mais comme je compte faire ici une maison, faire un truc de fou, du coup, c'est pas trop gênant. Allez. Faut vraiment que je me dépêche par contre. Parce que là sinon. Voilà, on va mettre ça là. On a besoin également de cordes. Oh, j'ai level up. Super. Super, super, très bonne chose. Il va m'en falloir encore de tout ça. Il va m'en falloir encore. Par contre, je kifferais trouver un petit. Ah non, j'ai cru que c'était un morceau de tissu. J'ai vu qu'il y avait un serpent. Donc, le serpent, tu vas bien rester là. Argile, où te caches-tu? Argile, où te caches-tu? Argile. Enfin, je regarde sur internet à quoi ça ressemble l'argile, puisque là je sais pas à quoi ça ressemble. Et je vous avoue, c'est relou. Alors lui il garde les planches. Bah écoute, garde les planches si tu veux. Hop! Comme vous savez, je suis pas forcément hyper bien. Ok, il ne m'a point vu. Donc ça c'est une bonne chose. Il y a une mouette qui est là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça a fait bip? Il y a un truc qui se passe. Il y a un truc qui n'a pas plu à mon perso.
Il y a un autre cochon là-bas. Et un peu d'ombre ici. On va se mettre là, tranquille, parce que du coup, il va avoir chaud. Ah, tiens, c'est bon. Et là, par contre, ouais, le tissu, c'est galère. Oh, sa mère, j'ai flippé. Putain, je suis mort. Je vais mourir. Oh non! Mais non! Putain! Bon bah écoutez, on va se laisser là pour cette courte et intense vidéo. Je vais retourner. Putain, là-bas, j'ai tout à refaire. Je vais retourner donc sur cette île-là et tout recommencer. Et bien faire attention. Et bien écoutez, on va se laisser là. Merci à vous les amis d'avoir regardé cette vidéo. Putain, je suis vénère. Moi, j'ai flippé en plus. J'ai vraiment eu peur. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!